Alors donc, on va commencer par corriger le premier exercice. Voilà. Donc, le premier exercice. Donc ici, il s'agit de réaliser un programme Java qui permet de gérer des rectangles et des carrés en profitant à bon escient du principe d'héritage. Et donc, bien sûr, quand on parle d'un carré, un carré est un cas particulier du rectangle. Donc, un carré est un rectangle dont la longueur et la largeur sont égales. Et donc, la classe principale sera, puisqu'on dit un carré est un rectangle. Et donc, la classe principale ou la classe de base est, c'est la classe rectangle. Alors, on développe la classe rectangle. Donc, d'abord, nouveau projet. Donc ici, il s'agit du TP Next, donc gestion rectangle carré finish. Nous allons commencer par développer la classe rectangle. Et un rectangle est caractérisé par la longueur et la largeur. Alors, gestion existe. Voilà. Et donc, new Java class, classe rectangle. Et donc, je vais mettre cette classe à l'intérieur du package gestion rectangle. Et voilà. Et donc, le package est utilisé maintenant. Et donc, à l'intérieur, on va déclarer les attributs. Donc, private, par exemple, table, longueur, virgule, largeur. Et puis, on va réaliser le constructeur. Donc, on va le générer automatiquement. Insert code. Un constructeur. Et puis après, nous allons développer les deux méthodes, la méthode périmètre et la méthode surface. Et donc, public, ou bien puisqu'on va travailler à l'intérieur d'un même package, et donc on va laisser le mode de protection et le niveau de protection par défaut qui est package. Donc, double. Surface. Label surface. Donc ici, return longueur fois la largeur. Et puis, double périmètre. Et pour le périmètre, return la longueur plus la largeur multipliée par 2. Donc, return longueur plus largeur multipliée par 2. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour la classe rectangle. Nous avons développé un constructeur, la méthode surface et la méthode périmètre. On va développer maintenant la classe carré. La classe carré qui hérite de la classe rectangle. Donc, un carré est un rectangle. Alors, Java class, classe carré. Et la classe carré est une classe qui hérite de la classe rectangle. Donc, extend rectangle. Et donc, il y a une erreur ici. Donc, il nous demande de définir un constructeur pour initialiser la longueur et la largeur. Alors, donc, public pour le développement du constructeur de la classe carré. Public, carré. Alors, quels sont les paramètres de ce constructeur? Un carré est caractérisé par quoi? Par un côté. Et donc, double.
label par exemple C. Et bien sûr, il faut transférer des valeurs au constructeur de la classe mère. Pour initialiser la largeur et la longueur. Alors, voilà, donc ici public carré et puis super. Et donc le constructeur de la classe mère, qu'est-ce qu'il attend? Il attend deux valeurs pour initialiser la longueur et la largeur. Donc on va passer quoi? Sachant que la longueur égale à la largeur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut transmettre? C deux fois. On va transmettre C deux fois. Voilà. Donc, super. C, C. Ça, c'est le cas d'un carré. Alors, en ce qui concerne la surface, est-ce qu'on est obligé de développer la méthode surface? Ou bien on peut profiter de la méthode surface qui est déjà développée? On peut profiter de la surface qui est déjà développée, car la surface d'un carré, c'est quoi? Voilà, donc c'est aussi la longueur fois la largeur, ou la longueur égale à la largeur. Et la même chose pour le périmètre. Pour le périmètre, c'est côté multiplié par 4, c'est-à-dire côté plus côté multiplié par 2, c'est-à-dire longueur plus largeur multiplié par 2. Et donc, ce n'est pas la peine. Donc là, nous allons profiter de tout ce qui est développé à l'intérieur de la classe rectangle. Et c'est ça l'avantage de l'héritage. C'est que nous allons profiter de l'existant. Il y a une méthode surface et périmètre. Les deux méthodes périmètre et surface sont déjà développées. On va les utiliser pour afficher la surface d'un carré et aussi le périmètre d'un carré. Voilà, donc c'est tout pour la classe carré. Donc maintenant, on va passer directement à la classe, là où il y a la fonction main. Et nous allons créer un objet de type rectangle, par exemple. Donc, rectangle R reçoit new rectangle. Donc, 10, par exemple, et 2,5. Et 2,5. Et puis, system.out.print. Ln, la surface, et 2, si vous voulez, plus r.surface. L'affichage du périmètre, donc le périmètre, et et donc ici, r.périmètre. Alors, on lance l'exécution. Donc, regardez le résultat d'exécution. La surface est de 25, par exemple, mètres carrés. Le périmètre est de 25 mètres. Voilà. Alors, si vous voulez créer un carré. Donc ici, carré, C reçoit new carré, et puis la surface. Et donc ici, pour un carré, il faut donc une seule valeur pour le côté. Et puis ici, C point surface. On va profiter de périmètre et de surface qui sont déjà développés à l'intérieur de la classe mère, à l'intérieur de la classe rectangle. On lance l'exécution. Et donc, bien sûr, pour la surface, c'est 100 mètres carrés. Et pour le périmètre, c'est 10 fois 4, c'est-à-dire 40. Alors, on lance l'exécution. Et donc, ici, 40. Et ici, 100 mètres carrés. Voilà, donc c'est tout pour la gestion des rectangles et des carrés, en profitant du principe d'héritage. C'est bon? Pas de questions? Donc, on passe à l'exercice suivant.